Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris du mois de décembre. Il y a quand même pas mal de petites choses. On va commencer par les produits soins. J'en ai que 3 à vous présenter. Donc en ce moment, le matin, je veux quand même une bonne hydratation puisque on commence à avoir la peau un peu plus sèche avec le froid de l'hiver. Du coup, j'ai testé une crème que j'ai reçue dans la Glossy Box, il me semble. C'est de la marque Rosé Paris. C'est le gel crème hydratant au concombre bio. C'est une crème qui est pour les peaux normales à mixte et ils nous disent qu'on peut utiliser le jour ou la nuit. Donc moi, pour l'instant, j'utilise le jour et elle est vraiment très bien parce qu'on sent vraiment l'hydratation et elle n'est pas trop grasse justement pour ensuite appliquer le maquillage. Donc moi, je l'aime beaucoup. Elle est comme ceci. C'est quand même un beau format qu'on a eu dans la Glossy Box. Elle fait 60 ml et elle est à 98% d'origine naturelle. Et c'est vegan. Ensuite, pour ce qui est du soir, j'utilise le Skin Therapy de chez Herborian. Je pense que ça, vous l'avez vu passer sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux sociaux. Et franchement, ça me donnait beaucoup envie de tester. Et c'est vrai que depuis que j'utilise cette huile, j'ai vraiment l'impression que ma peau est plus jolie. Déjà, j'ai plus cette sensation de tiraillement sur mon visage, au niveau de ma peau. Elle paraît effectivement plus lisse et plus en bonne santé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, ça fait à peu près 2 à 3 semaines que j'utilise. Et je vois vraiment une efficacité. Donc, on verra. Dans le temps, là j'ai utilisé un quart du produit et vraiment, en tout cas pour l'instant je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une légère petite odeur. Moi j'aime bien quand les produits sentent bon quand même, qu'il y a une belle odeur. Enfin une bonne odeur plutôt. Ensuite je termine avec ma crème de chez Fenty Skin. Donc celle-ci je l'avais testée ma routine il y a un petit moment. Mais c'était pas la bonne période et je pense que c'est vraiment une crème qui est assez riche. Et qu'il faut utiliser vraiment déjà en crème pour le soir, même si apparemment c'est conseillé pour comme une crème de jour, parce qu'elle est quand même assez riche et il y a un SPF dedans, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est assez riche. Ça faisait assez gras sur ma peau et c'est vrai que là maintenant en hiver j'aime beaucoup et je ressens plus cette sensation un peu grasse sur ma peau depuis que j'utilise l'hiver. Donc moi j'utilise après le sérum, donc j'attends que vraiment le sérum soit bien, qu'il ait bien pénétré sur ma peau et ensuite je viens mettre vraiment juste avant de me coucher cette crème. Donc ça c'est pas mal parce que ça se présente comme ceci, ça fait un petit moment que je l'ai, je sais plus combien de ml elle fait, mais voilà, je voudrais la terminer et elle est vraiment bien, mais plus à utiliser le soir et en période d'hiver. Donc maintenant on va passer à la base. Donc ce mois-ci j'ai utilisé tous les jours le Marshmallow Primer de chez NYX et je l'aime vraiment beaucoup. À mon avis je vois être à la fin dans pas longtemps. Donc c'est une base que je rachèterai certainement. J'en ai d'autres qu'il faut que j'utilise, mais celle-ci je l'ai beaucoup aimée. J'ai l'impression que ma peau, je dirais pas qu'elle est lissée, mais elle est unifiée. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand j'applique ensuite les fonds de teint, ça se comporte bien, ça marque pas trop mes ridules parce que voilà, je viens d'avoir 39 ans, donc ici, je suis quand même pas mal marquée. Et je trouve qu'elle fait bien son job, le maquillage tient bien et je l'aime beaucoup. Et encore une fois, il y a une petite odeur très agréable que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'en ai découvert 2. Donc un que j'avais déjà testé il y a un petit moment et un autre que j'avais jamais testé. C'est un fond de teint qu'une copine m'avait donné, donc Aurélie, lors d'un swap. C'est un fond de teint de chez Maybelline. C'est le Dream Urban Cover, Full Coverage. Il y a un SPF 50 à l'intérieur, donc c'est un petit tube comme ça, tout simple. Alors quand on secoue, c'est très liquide. Donc je me suis dit au début, oulala, ça va pas me plaire. Et j'avais l'impression comme ça dans le tube que ça paraissait foncé pour ma peau. Et en fait, pas du tout. Donc je me suis dit, je vais quand même le tester. Ça faisait un an que je l'avais. Et en fait, j'ai adoré. Et j'en ai racheté 2 tubes que j'ai trouvé sur Cosmétique, je crois, à 6€. Donc ça valait le coup. Donc j'en ai pris 2. Et franchement, il est vraiment génial. Alors le fait que moi maintenant, comme je vous l'ai dit, je commence vraiment à avoir pas mal de rides d'expression et de rides tout court. J'aime pas trop quand c'est vraiment marqué au niveau d'ici. Et ce produit, ça va vraiment apporter une couvrance.
mais on a l'impression que j'ai peu de matière sur le visage et je pense que c'est le fait que ça soit assez fluide. Pourtant, j'ai déjà testé des fonds de teint fluides, notamment le L'Oréal. Je vous mettrai la photo que j'ai pas du tout, mais du tout aimé. J'ai utilisé deux fois vraiment pour tester et j'aime pas du tout parce qu'il y a zéro couvrance. Celui-ci, franchement, il est génial et je l'aime beaucoup. Vraiment un gros coup de cœur. Et l'application est super simple. Moi, j'utilise au pinceau. On peut aussi l'appliquer à l'éponge, mais moi, j'ai bien aimé utiliser au pinceau. Et ensuite, on a celui de chez Shiglam. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Donc, moi, je l'ai pris en teinte fer. Donc, il peut paraître... Moi, quand je l'ai testé la première fois, je me suis dit, waouh, ça paraît gras. Là, j'ai mis aujourd'hui. Je peux vous assurer que quand je touche comme ça, c'est absolument pas gras. Et moi, la première fois, je l'avais utilisé à l'éponge et là, je l'ai appliqué au pinceau. Donc, je l'ai bien étiré sans mettre trop. J'ai pris mon temps et j'aime beaucoup. Déjà, la teinte, elle est parfaite. Alors, veuillez m'excuser, je suis malade depuis 2 semaines. Il n'y a pas moyen que ça s'en aille. Donc, vous allez entendre à ma voix qu'elle est un petit peu cassée. Donc, je m'en excuse. Donc, vraiment, super fond de teint. Il est top, je trouve le packaging super sympa et vraiment la couvrance est juste incroyable. Franchement, ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des poudres, j'en ai utilisé deux. Pardon, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé beaucoup la collection de Kiko de Noël, donc la collection Joyful Holiday. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 au niveau de la poudre compacte. Donc je l'ai bien utilisée, par contre elle me jaunit un petit peu le teint. J'ai voulu me commander la plus claire, parce que là c'est la teinte numéro 2, mais elle était en rupture et c'est dommage, j'aurais fait un stock parce que cette poudre, je l'adore. J'adore le rendu que ça me donne sur mon teint, donc aujourd'hui c'est pas ce que j'ai appliqué. Parce que là par rapport à mon retour, je peux paraître un peu blanche. Mais là ça va venir réchauffer un peu plus. Elle est très jolie et j'aime vraiment le rendu que ça fait sur ma peau. J'espère qu'elle va revenir en stock et que je pourrai commander la teinte 1. J'avais hésité, j'avais peur que la teinte 1 soit trop claire. Mais au final celle-ci elle est un tout petit, mais vraiment un tout petit peu trop foncée. Mais bon, ça passe. Mais elle est vraiment top. En tout cas, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Moi, sur internet, il restait que les... Je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes. Il restait les 3 teintes les plus foncées. Donc, c'était pas possible. Donc, voilà. Si jamais vous avez l'occasion, par exemple, en magasin, de trouver les teintes les plus claires, si c'est votre carnation, bien sûr, je vous la conseille. Ensuite, vous devez peut-être connaître la poudre Coty Airspoon. Celle-ci, ça fait maintenant 3 ans, même plus que ça, 3-4 ans. Que j'utilise cette poudre que je trouve sur Amazon. Maintenant elle est revendue dans pas mal de boutiques. Et celle-ci en fait c'est la Extra Coverage. Alors pour vous comparer les deux, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Elle est toujours aussi bien. J'aime autant la classique que celle-ci qui est Extra Coverage. Mais je ne vois pas spécialement une couvrance supplémentaire. Mais elle est vraiment très jolie. Elle n'est pas plus lourde ou plus épaisse, pas du tout. C'est vraiment le même genre de texture et j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai un teint très mat, très joli, j'aime beaucoup. Alors pour l'instant, ça fait un peu moins d'une semaine que j'atteste, donc à tester sur le long terme. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup, rien à dire. Maintenant, si je vais racheter l'une et l'autre, bah, je pense quand même que je reprendrai celle-ci. Et celle-ci, je l'ai achetée sur Boozy Shop à 18€, sachant que la classique, je l'ai achetée sur Amazon pour entre 12 et 14€. Donc voilà pour ce qui est des poudres. Ensuite, on va passer au bronzer. J'ai bien sûr beaucoup utilisé le bronzer de la collection Joyful Holiday de chez Kiko en teinte numéro 2 et il est super joli. Il va être un peu plus chaud que ce que je porte aujourd'hui, mais il est vraiment très joli. Encore une fois, les produits teints de chez Kiko, je suis, mais j'allais dire rarement, mais non, jamais déçu en fait. Même s'il est un peu plus chaud que ce que j'aime porter, je trouve que ça fait super joli. J'aime beaucoup et ils sont canons. Ils sentent très bon, même si j'ai un peu le nez bouché, donc je sens pas très, très bien aujourd'hui, mais ils sentent très très bon. Et ensuite, j'ai racheté un bronzer que j'utilisais au... Je dirais pas au début que je commence à maquiller, mais presque. C'est vraiment le deuxième bronzer le plus cher que j'avais acheté à l'époque. Puisque le premier, c'était le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je vous mettrai une petite photo. Et celui-ci, en fait, je l'avais racheté. Il l'avait reformulé et repackagé. Et en fait, moi, quand j'utilisais, je sais pas pour quelle raison, il me faisait constamment des taches.
Alors que l'ancienne version, je l'ai mis pendant des années et je n'avais aucun souci. Du coup, je l'avais à peine utilisé et je l'avais vendu sur Vinted. Et là, j'ai voulu racheter le Oula de chez Benefit. Là, j'aime bien parce qu'ils ont changé le packaging, il est plus plat. Donc, j'ai pris le full size et c'est un coup de cœur. Et je me suis rappelé pourquoi j'aimais tant ce blush. Ce bronzer, il est canon. Pour moi, c'est, je vous ai parlé il y a quelques temps de mon amour pour le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je vous mettrai la photo de celui que je parle puisqu'il en existe plusieurs chez Charlotte. Et je trouve qu'il s'y rapproche un petit peu. Il est quand même beaucoup moins cher que le Charlotte Tilbury. Et les canons, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et depuis que je l'ai racheté, je ne porte plus que celui-ci. Il s'estompe bien, il est parfait, je trouve, pour ma carnation. Il n'y a pas de tache, il est juste canon. Ça, pour moi, vraiment, c'est un incontournable. Et il faut savoir maintenant qu'il existe dans 4 teintes. Vous avez le light, celui-ci, c'est le classique. Et ensuite, vous avez le toasted, je crois, qui est un peu foncé, et le caramel. Donc, je ne me rappelle plus exactement de l'ordre des Oula, mais il en existe 4. Ensuite, au niveau des highlighters, alors j'ai 3 pépites à vous présenter, ils sont juste magnifiques. Donc il y a bien sûr l'highlighter de la collection de chez Kiko, celui-ci. J'avais peur qu'il soit pas assez voyant, impactant. Vous savez, moi j'aime bien quand les highlighters ils se voient vraiment beaucoup, et en fait qu'on mélange ou pas, parce qu'il y a 2 couleurs. Il y a l'étoile qui est plus claire que le reste, mais vraiment en mélangeant les deux, il est magnifique. Le seul petit hic que je pourrais éventuellement lui trouver un tout petit peu, si je devais dire quelque chose, c'est qu'on voit un petit peu la texture de la paume, mais ça dépend le pinceau que vous utilisez. Et si vous y allez doucement, ça se passe très bien, il est magnifique. Et pour le prix, franchement, cette collection, c'est vraiment une pépite. Je vous ai montré les highlighters avant le blush, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait une découverte en fait. Pour la petite histoire, j'ai été à un marché de Noël avec ma copine qui fait des bougies parfumées. Et j'ai une cliente qui est arrivée, et en fait avec, il y avait des lumières, et ça lui faisait un highlighter, mais un peu en transparence avec des paillettes dorées, mais canon, mais canon. Et j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai demandé quel highlighter elle portait, et elle m'a dit que c'était un highlighter stick de chez Anastasia Beverly Hills. Alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais testé d'highlighter stick. C'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère vraiment la poudre. Mais quand j'ai vu l'effet sur elle, je me suis dit, il faut absolument que je me le commande. Et où j'étais bête, entre guillemets, c'est que je ne lui ai pas demandé la teinte. Je ne voulais pas non plus abuser. Mais je pense avoir pris la teinte qu'elle avait prise. Donc ça se présente comme ceci. C'est un highlighter qui est au prix de 36€. Donc moi, je l'ai eu avec les moins 25%, puisque tout le mois de décembre, il y a eu des journées ou des week-end gold tout le mois de décembre presque. Donc j'ai pris le Dripping in Gold. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez un côté où vous avez l'highlighter. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, passez votre chemin. C'est clairement un highlighter très pailleté. Et en dessous, en fait, vous avez un espèce de pinceau. Honnêtement, moi je trouve pas efficace du tout le pinceau. J'utilise un pinceau pour les blushs crème, tout simplement. Donc je vais vous faire un swatch. Je sais pas si là... En fait, là, vous allez voir une grosse barre, mais il faut le voir estomper, en fait. Si vous l'estompez bien, ça fait vraiment des paillettes, en fait. C'est vraiment des paillettes, mais subtiles, très fines, c'est très joli. Bien sûr, il faut l'estomper. Si vous l'estompez pas, bah, ça donne ça, tout simplement. Mais estompé, il est vraiment, mais vraiment magnifique. Ensuite, celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté, mais vous le verrez prochainement, certainement dans un haul. C'est les nouveaux highlighters de chez Rare Beauty. Donc c'est le premier produit que j'ai de la marque. Mais quand j'ai vu en fait le packaging et un petit peu toutes les vidéos qu'on voyait dessus, il m'a vraiment donné envie. Quand j'ai swatché, je me suis dit, ouais, ça m'a pas l'air d'être très, très lumineux. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous pouvez voir qu'il est très lumineux. Mais quand je le swatché, je me suis dit, ouais, bof. Et en fait, si, il est canon. Et je pense que par la suite, je m'en achèterai un autre. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, c'est Exhilarate. C'est un peu particulier comme nom. Cette teinte-là était souvent, mais souvent en rupture. À chaque fois, j'ai actualisé pour voir un petit peu s'il revenait. Et c'est avec mon bon anniversaire de 30€
offert par Sephora que j'ai pu l'acheter, donc je l'ai eu gratuit. Il me semble qu'il est au prix de 26 €. Si c'est pas le cas, je vous remettrai le prix exact. Et du coup, bah, j'ai pris un autre truc pour avoir, pour pouvoir être livré, parce qu'en fait, il faut avoir un minimum 30 € pour utiliser le bon. Ça ne peut pas être que 26 €, donc je sais plus ce que j'avais pris pour pouvoir utiliser mon bon. Donc voilà. Donc le packaging est comme ceci, c'est très joli. Et il est comme ceci. Vous avez un petit miroir et il est comme ceci. Donc j'ai offert un swatch. Mais moi, quand j'ai swatché, je me suis dit, oh, il a l'air pas si lumineux que ça. En fait, quand on swatch comme ça, on se dit mouais, bof. Même quand je swatch sur ma main, mais alors sur le visage, vous voyez, il est juste ici. Ouais, il est juste ici. Mais vous voyez bien qu'il fait plus impactant sur mon visage qu'en swatch. Donc je suis ravie, j'aime beaucoup le petit packaging, c'est nude, c'est très joli, j'aime beaucoup. Vraiment très joli et je trouve que pour comparer à d'autres highlighters, il est pas donné, puisque forcément c'est pas donné un highlighter à 26 €. Mais comparé à d'autres highlighters qui sont entre 40 et 50 €, franchement il est canon. Et ensuite au niveau des blushs, alors attendez parce qu'en fait j'ai mis les palettes d'un côté. Au niveau des blushs, j'ai deux palettes à vous présenter et un blush. Hop, voilà. Alors le blush, c'est le blush de la collection Joyful Holiday. Encore une fois, j'ai utilisé beaucoup de produits de cette collection. J'ai aussi utilisé le fond de teint, mais il est très très bien. Mais je vous ai vraiment présenté ceux que j'ai vraiment le plus porté. Et donc c'était la teinte numéro 02. C'est un blush qui va vraiment donner un teint frais. Je l'aime beaucoup. J'ai voulu me commander la teinte numéro 1, mais je me suis dit que j'avais assez commandé pendant le Black Friday de blush, donc je ne l'ai pas fait, mais il est vraiment très joli. J'entends qu'il y a ma chienne Happy qui est en train de jouer avec son jouet. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop en fond de vidéo parce que ma caméra chope énormément les bruits extérieurs. Donc si c'est le cas, je m'en excuse pour elle. D'ailleurs, il faut que je vous montre, je vous mettrai des photos ici. Ce matin, il a neigé et j'ai réussi à prendre des photos d'elle dans la neige. Et c'est juste, elles sont trop belles les photos, donc je vous les mets juste ici et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, pendant Black Friday, avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire, puisque j'ai été extrêmement, mais extrêmement gâtée pour l'anniversaire, j'ai eu une grosse enveloppe de ma grand-mère et une grosse enveloppe de ma mère. Donc avec ma mère, j'ai acheté des produits sur Sephora et avec celle de ma grand-mère, je me suis acheté pendant le Black Friday une partie de la collection de Noël de chez Patou et j'ai profité bien sûr des remises parce que ça valait vraiment le coup et je me suis pris les deux grandes palettes comme ça de teint de chez Patou et waouh, j'avais jamais testé ni les highlighters ni les blushs de cette marque. Je comprends maintenant l'engouement et pourquoi les gens, des fois je me dis mais pourquoi les gens achètent ça, c'est cher. Et si, en fait, je comprends pourquoi. Donc celle-ci, c'est la Nude Venus. Donc dans chaque palette, vous avez donc 4 blushs et un highlighter. Et les highlighters, alors que ce soit les blushs ou les highlighters, quand on passe le pinceau, ça reste très poudreux. Après, on tapote le pinceau et c'est bon. Mais les highlighters, je crois que c'est ma... Alors je ne sais pas si tous les highlighters de chez Patou ont ces textures-là. Mais dans les deux palettes, ces textures d'highlighter, c'est fin, c'est lumineux, c'est impactant. J'adore cette texture d'highlighter. J'en ai beaucoup des highlighters parce que c'est vraiment un de mes produits préférés, vous le savez. Mais vraiment, si tous les highlighters de cette ont cette texture et ce rendu-là, j'adore cette formulation. Et les blushs, ils sont incroyables. Je mets beaucoup celui-ci qui paraît peut-être très clair, mais c'est un blush que vous allez pouvoir mettre... Il est un petit peu passe-partout et tout, il est magnifique. Et ensuite j'ai pris donc celle-ci qui est la Divine Rose. Donc au début j'avais hésité et au final non, parce que je trouve qu'elle est parfaite pour rehausser une tenue ou un make-up simplement. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci, donc le rose, pour aller avec mon magnifique petit pull que j'ai acheté d'ailleurs sur Shein. Je ne porte jamais de pull, je sais pas, je pense que c'est la première fois que vous me voyez avec un pull. Je mets des gilets et des hauts et il est magnifique. J'ai acheté ce pull là un petit peu rose fuchsia, j'en ai acheté un orangé assez flashy parce que moi j'aime comme les couleurs, j'aime pas trop les couleurs ternes l'hiver. Et là j'ai trouvé ces pulls sur Shein, ils sont d'une qualité, mais je suis fan, je suis complètement fan. Et j'ai aussi acheté un pull un peu arc-en-ciel, il est canon. Bref, tout ça pour dire que j'avais peur un petit peu que ces blushs soient trop flashy, mais je me suis dit que non par rapport à l'été et au printemps. Et là vous voyez, avec un pull comme ça l'hiver, vous mettez un blush un petit peu
assez rosé comme ça. Ça donne du pep, ça donne de l'éclat au visage. J'ai adoré. Et encore une fois, pareil, cet highlighter dans cette palette. Mais vraiment la texture, c'est fin, je sais pas comment vous expliquer, vraiment la texture est particulière et ça, c'est fin, mais c'est beau, c'est voyant, j'adore, vraiment j'adore. Ensuite, je voulais vous parler d'un pinceau qu'une copine m'a parlé, donc Géraldine, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Elle m'a donné un bon plan juste incroyable. En fait, elle m'a conseillé un pinceau de chez Linda Albert, je crois que c'est ça la marque. Si je me trompe, je vous mettrai au montage. C'est le pinceau 305, donc c'est ce pinceau-là. Donc, je vous montre un petit peu comment il est. Donc il est comme ceci. Il est très joli, on voit que c'est un pinceau de qualité. En prix normal, vous pouvez le retrouver sur le site Beauty Bay à une vingtaine d'euros. Et moi, en fait, quand elle m'en a parlé, il était sur le site de Boozy Shop à 13 euros, 13,95 euros, je crois. Et je lui ai fait confiance et je l'ai commandé, j'en ai commandé un. Et je l'ai testé dès que je l'ai reçu. Et quand j'ai vu comment je pouvais attraper les fards à effet avec ce pinceau, j'en ai recommandé deux pour en avoir trois en tout. Donc là, ils devraient pas tarder à arriver. Et en plus, ils étaient en promo. Là, ça y est, ils sont en rupture. Enfin, du moins sur Boozy Shop, il n'y en a plus. Il n'y a plus de promo. Mais si vous voulez vous en recommander, ils sont à 20 euros sur le site de Beauty Bay. Et tout simplement, ces pinceaux. Alors, par exemple, moi qui utilise les fards Constance Carole, que je n'arrive pas à appliquer autrement qu'au doigt, avec ce pinceau, peu importe la texture du fard, vous chopez le fard et les pigments sur le pinceau. Ce pinceau, c'est une révolution pour moi. Là, aujourd'hui, j'ai appliqué une palette, une Mothership de chez Patou. Et les fards à effet, des fois, bon, même si Patou, généralement, il n'y a pas de souci pour appliquer, pour prélever les fards au pinceau. Mais des fois, ça fait beaucoup de... En fait, quand vous frottez le pinceau, ça fait quand même beaucoup d'éclats. Et ça devient poudreux avec ce pinceau-là. Ça ne fait absolument pas ça. Ça, c'est une pépite. Je vous le conseille, si vous aimez les fards à effet, peu importe les marques, ce pinceau va prélever les fards. Mais il est incroyable ce pinceau. Donc je te remercie beaucoup Géraldine. Tu vois, tu regardes beaucoup mes vidéos, tu me soutiens à 100% et je te remercie. Mais tu m'as donné vraiment un super bon plan parce qu'il est incroyable. Donc voilà, ensuite je crois que c'est tout. On va terminer avec les palettes que j'ai le plus utilisées ce mois-ci. Alors j'en ai utilisé beaucoup parce que j'ai reçu pas mal de choses ce mois-ci. J'ai reçu les palettes Odin Ice de mon Black Friday avec laquelle j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire justement. Donc j'ai aussi commandé ça. Donc je me suis fait plaisir et je regrette pas puisque j'ai pu vraiment découvrir la marque. Cette marque et ces palettes, c'est des pépites. La qualité est incroyable. Les lumineuses sont comme j'aime, franchement, voilà, elles sont parfaites ces palettes, mais je ne pouvais pas tout vous montrer. Mais j'ai quand même sélectionné celles que j'ai le plus vraiment portées. J'ai testé beaucoup de palettes comme tous les mois, vous savez que voilà, je change de maquillage tous les jours et de palettes pour pouvoir faire un roulement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok pour retrouver mes maquillages du jour. Là, il y a eu une petite période où j'ai pas posté beaucoup de maquillage puisque j'ai été malade pendant plus de 2 semaines. Et là, ça commence à aller mieux, mais vous voyez qu'on entend ma voix que c'est pas encore terminé. Tout ça pour vous dire que si vous voulez voir un petit peu les palettes que je reçois et quand je les teste, vous trouvez ça sur TikTok. Donc voilà, donc là une palette que j'ai toujours maintenant dans ma trousse de maquillage. Elle a remplacé la palette entre guillemets d'origine, puisqu'en fait cette palette c'est la copie de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Et en fait c'est la Timeless Fantasy de chez Makeup Revolution, donc c'est une Forever Flawless. Et c'est tout simplement une copie de la Glam de chez Natasha Denona. Donc je garde de côté la Natasha puisque je l'ai beaucoup utilisée et que c'est une palette qui est très chère. Et celle-ci c'est exactement la même chose, c'est une palette qui coûte 13 euros. Elle est canon. Franchement quand je suis pressée ou que j'ai pas le temps ou peu importe, je prends celle-ci, c'est une valeur sûre. C'est quand même des couleurs assez froides, nude, c'est tout ce que j'aime, elle est quand même. Donc autant je peux utiliser une palette chère, autant celle-ci, je vous la recommande, elle est vraiment incroyable, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai ressorti la Golden Age de chez Beauty Bay. Alors ce qui est étrange, c'est que j'ai voulu la retester parce que la première fois que je l'avais utilisée, j'avais pas été séduite. Et en fin de compte, si, alors je sais pas, peut-être que ce jour-là
J'avais pas réussi ou j'étais pas de bonne humeur, j'en sais rien. Et je l'ai refusée plusieurs fois et elle est vraiment très jolie et à tout petit prix. Je crois qu'en prix, enfin à l'époque, en prix normal, elle était à 9 euros. Et moi, je crois que je l'avais chopée avec un code promo à l'époque à 6,50 €. Franchement, elle est canon. Le doré comme ça pour les fêtes ou pas, c'est canon. Ensuite, lors de ma commande Black Friday, je sais pas tout, j'avais commandé donc les deux petites palettes et celle-ci. Alors les deux sont très jolies, j'ai testé les deux, mais vraiment celle-ci, elle sort du lot. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle n'a pas mis la même qualité de fard dans les deux palettes. C'est vraiment dommage. Et c'est la Bronze Bliss et c'est celle-ci. Et le fard qu'il y a juste ici, il est mais incroyable. Il est canon de chez canon. Ensuite, on a la Mothership. Celle-ci, c'est la 8 Divine Rose 2. Donc, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Et c'est celle-ci. Oh, meilleure depuis que j'ai testé, j'ai commencé à découvrir les fards Pat McGrath au mois de novembre. J'en suis amoureuse. C'est vraiment des pépites. Je comprends pourquoi les gens puissent mettre aussi cher dans une palette. Alors, attention, moi, je vous le rappelle. Toutes les Mothership que j'ai eues, je les ai achetées d'occasion sur Vinted. J'en ai acheté aucune à 140 € parce que je ne pourrais pas mettre aussi cher dans une palette. Et je les ai pratiquement... Celle-ci, j'ai trouvé sur Vinted, elle était quasi neuve. La deuxième que je vais vous montrer, elle était neuve. Et c'était la dernière qui est sortie. Toutes celles-ci, je les ai achetées pendant le Black Friday où il y avait entre moins 35 et moins 40%. Donc moi je sais que maintenant pour cette marque là, je chercherai ou sur Vinted ou j'attendrai le Black Friday au mois de novembre puisque ça vaut extrêmement le coup. Parce que payer ça plein pot, ça les vaut, honnêtement ça les vaut mais c'est extrêmement cher, c'est beaucoup trop cher. Donc celle-ci elle est juste magnifique. Ici vous avez un fard, en fait là vous le voyez rose, rose violet et en fait c'est celui que j'ai mis sur les yeux. Et en fait il est, vous voyez si on voit, attendez je sais pas, si on voit, vous voyez là il est vert, vous voyez ou pas? Là, il est violet. Et quand on retourne la palette, là, on le voit vert. Vous voyez un petit peu, c'est un duochrome. Il est magnifique. Et cette palette, c'est une pépite. Comme toutes les palettes que j'ai pu tester de chez Patou. Surtout, bah, j'ai que les Mothership. Et après, j'ai celle-ci, les collections de Noël. Et j'en ai 8 ou 9 des Mothership que j'ai, je le répète, tout acheté sur Vinted avec la... Avec tout ce que j'avais pu vendre, j'avais vraiment vendu beaucoup de make-up et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'acheter cette collection-là. Et j'ai pu trouver la Mothership 10 Moonlit Séduction. Donc celle-ci, c'est la dernière. Voilà, enfin, ils ont sorti une collection Star Wars. Mais ne vous faites pas voir dans la collection Star Wars qui vient de sortir, je vous mettrai une photo ici. Il y a une Mothership, mais elle est juste repackagée. C'est une palette qui existe déjà. Attention, ce n'est pas une nouvelle. Ils ont repackagé avec le packaging Star Wars, mais elle existe déjà. C'est pas une nouveauté. Donc ça, c'est important de le savoir. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée de toutes les Mothership que j'ai jusqu'à présent. Les 4 fards. Donc vous avez à chaque fois les 6 fards comme ça et les 4 fards à effet juste ici. Ces fards à effet. Alors je dirais que c'est la plus nude entre guillemets, la palette qui va être le plus facile à porter pour tous les jours. Et les fards à effet qu'il y a dans cette palette, bon, à chaque fois que je me maquille avec celle-ci, vraiment les fards de chez Pat McGrath, c'est là quoi. J'étais complètement fan des palettes Natasha qui sont très bien, mais depuis que j'ai testé Patou, franchement, je trouve que la qualité, celle-ci, elle est au-dessus en fait. Et c'est vraiment des pépites et j'en suis mais amoureuse de cette qualité, que ça soit ça, les palettes comme ça ou les palettes pour le teint ou les highlighters, cette marque elle est incroyable. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup. On va terminer avec les rouges à lèvres. Alors, j'en ai sélectionné 4, puisque comme vous le savez aussi, c'est un peu comme les palettes, ça change tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Kiko. C'était une collection de Noël. C'était la collection Holiday Fable. C'est la teinte numéro 2. Et vous savez, c'est les rouges à lèvres qu'ils font chaque année à Noël, avec des effets comme ça. Il est vraiment très joli. Voilà, il est vraiment canon. Voilà. Donc je vais quand même vous le swatcher parce qu'en fait, suivant la carnation de vos lèvres, ça peut changer. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. En fait, suivant le pH de vos lèvres, ça peut changer.
Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le gloss numéro 90, le Glam de chez Sephora. Vous savez, les gloss comme ça, j'en ai acheté plusieurs courant novembre et décembre. Et je les aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que maintenant, je suis très gloss. J'aime beaucoup les rouges à lèvres raisins. Je suis de moins en moins rouge à lèvres liquide. Oui, liquide, c'est ça. Liquide mat, mais je suis plus raisin maintenant et gloss. Et les gloss, c'est vraiment une nouveauté de cette année. Et vous voyez un peu, le gloss, il est quand même super pigmenté. Vous voyez un petit peu? Et j'aime beaucoup la texture. Ensuite, j'ai aussi adoré porter le multifacette. C'est le gloss de chez Fabian Cosmetics que j'ai acheté aussi pendant le Black Friday à -40%. Ça faisait un moment que je voulais le tester depuis qu'il était sorti, mais mettre 17€ dans un gloss, j'avais pas envie. Là, avec la promo, je l'avais acheté 9€ et il est vraiment incroyablement rempli de paillettes. C'est vraiment parce qu'il le disait et il est vraiment plein de paillettes. Parce que quand Sananas a sorti sa marque Autrera Beauty et qu'elle disait que son gloss était pailleté, qu'elle avait jamais vu ça, non. Suisse Ananas, on voit presque que dalle les paillettes. Par contre, quand Fabian dit que dans son gloss, on voit les paillettes, on voit les paillettes. Donc, il est juste ici. Et vous avez la version un peu plus froide, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est aussi magnifique. Et ensuite, le dernier que j'ai sélectionné pour vous montrer, puisque c'est une nouveauté. Et en plus, je vous dis que j'ai testé qu'un produit Rare Beauty. Non, il y en a deux. Pour mon anniversaire, j'ai reçu deux coffrets. Vous savez, les coffrets Sephora Favorite, en fait, où ils mettent... Vous avez un coffret avec les plus connus ou les meilleures ventes, en fait, de rouge à lèvres dans des coffrets Sephora. Et il y a ce gloss-là de chez Rare Beauty. Donc, c'est la teinte Nearly Neutral. C'est les Balm Balm. Et il est vraiment canon. Et j'aime beaucoup aussi le format qui est un peu particulier comme ça. Il est vraiment très joli et j'aime beaucoup cette couleur de gloss. Et encore une fois, c'est des gloss qui ont quand même une couleur. Celui-ci n'a pas du tout de paillettes à l'intérieur. Mais la teinte est super jolie. Elle est juste ici. Vous voyez un petit peu, ouais. Je suis très gloss, mais gloss quand même avec de la pigmentation, vous voyez. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes favoris du mois de décembre. Il y a des belles pépites au mois de décembre. J'ai testé... J'ai beaucoup de produits et ça va encore arriver. Parce qu'en fait, pour mon anniversaire, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé une grosse commande sur Sephora avec l'enveloppe de ma maman. Et en plus, j'avais un gros montant disponible. Et en plus de ça, j'ai pu obtenir pendant le week-end gold un -25%. Donc vous aurez bien sûr le haul de ces achats et on crash testera ça début janvier avec vous en direct. On fera un petit crash test comme ça. Je sais que vous aimez bien ça et moi aussi. Et donc voilà pour mes favoris du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.